Bonjour à toutes et à tous. Halte aux idées reçues. Non, pour travailler dans le numérique, il n'est pas nécessaire d'être un geek, un garçon ou bardé de diplômes. De plus en plus de filles intègrent ces formations, le niveau bac n'est plus un prérequis absolu et l'accueil réservé aux étudiants en situation de handicap s'améliore considérablement. C'est ce que je vous propose de découvrir plus en détail auprès de mes trois invités, ici, sur le campus Région du Numérique, flambant neuf. Bonjour et bonjour. Bienvenue bonjour. À tous les trois à cette conférence sur des formations accessibles à toutes et tous au métier du numérique. Alors je vais commencer par vous présenter Hélène Ribeiro. Vous êtes directrice pédagogique d'Eden School qui à Villeurbanne forme depuis 2017 au métier d'assistant et d'assistante, développeur et développeuse web des jeunes de moins de 18 ans. Puisqu'il n'existait pas jusque-là de formation dans le digital de niveau infra-bac, c'est-à-dire post-3e vous concernant, on verra ça tout à l'heure. À vos côtés, Quentin Bolache, vous êtes directeur de l'école 42 Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, une école de code gratuite, ouverte à toutes et tous, sans condition de diplôme. C'est la première petite sœur de l'école 42 Paris. Elle a été créée en 2017 sous l'impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pallier le manque de développeurs sur le territoire. Et puis enfin, Cédric Richard, vous êtes directeur associé de Signe Formation, une école des métiers du numérique 100% LSF qui forme de jeunes sourds au métier de web designer. Signe Formation a été fondée en 2012 et est résidente ici au campus de la région numérique depuis 2017. Alors on va commencer par aborder une question de genre, puisque vous vous attelez donc chacun à rendre les formations au numérique le plus accessible possible, mais la place des filles dans les formations est encore assez minoritaire. Les femmes ne représentent que 23% des métiers du numérique. Et encore, ça englobe les fonctions support. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Et le chiffre descend même à 17% quand on regarde du côté de la programmation et du développement informatique. Alors, est-ce que les filles manquent à ces formations et comment les inciter à s'intéresser à ces métiers, à ces formations? Alors oui, les filles manquent énormément dans ces formations. Par exemple, sur les 6 promotions que nous avons chez Eden School, nous avons eu uniquement 3 filles. Elles sont vraiment sous-représentées alors qu'elles sont tout à fait capables et elles ont tout à fait les compétences pour arriver à devenir de très bonnes développeuses. Alors je vais rebondir exactement sur ce que vient de dire ma collègue. En effet, il y a un manque cruel de femmes dans le milieu du numérique. À l'école 42, on a 11% de femmes à peu près, donc on est même en dessous des chiffres que vous décrivez, alors, en tout cas dans l'univers de la programmation directement. Bien sûr, on fait tout notre possible pour les attirer vers nous, au mieux de nos capacités. Et comment faire? Alors, chez nous, on a réussi à augmenter nos chiffres de 7% la première année à 11,5% cette année. Alors déjà, je pense sentir qu'il y a une forme d'engouement, en tout cas, ça change un petit peu les mentalités. Aujourd'hui, de par l'évolution de la société elle-même. Et puis, il faut mettre en place pas mal de choses qui s'adressent directement à elles, en fait, qui les mettent en confiance sur le sujet, puisque souvent, on a un souci sur les questions de science ou de programmation, justement. On se dit, mais ça, c'est... Il y a le côté où on se dit, c'est un métier de garçon, c'est pas fait pour moi, je vais pas m'y sentir bien, il y a que des hommes autour, en plus, comment je peux y aller, etc. Donc, tout le principe, c'est d'arriver à les mettre en confiance en créant des événements où on les réunit entre elles, en leur montrant que c'est aussi fait pour elles, que c'est tout à fait accessible et qu'elles peuvent elles aussi participer au projet numérique. Est-ce qu'il y a des spécialisations qui les attirent plus pour l'instant ou à l'inverse d'autres où elles manquent cruellement? Comment est-ce que vous, parce que le métier du numérique c'est large. En général, quand elles choisissent de travailler dans le domaine du numérique, elles vont s'orienter plutôt sur des filières de communication ou de design. Et sur la matière purement technique, en fait, elles s'autorisent peu cette orientation-là. Mais c'est pas uniquement lié au domaine du numérique. Dans l'ingénierie, on retrouve exactement la même problématique. Elles vont plutôt sur des biotechnologies plutôt que sur les sciences pures. En fait, je pense qu'il faut que ces jeunes puissent
s'identifier en fait à des personnalités et pas nécessairement Marie Curie ou Claudine Nuret qui sont, je dirais, un très haut niveau de compétences, mais vraiment des ingénieureux ou des développeuses du quotidien. Et il faut qu'elles puissent s'identifier à ces personnalités-là. Et surtout, il y a aussi un travail à faire vraiment en amont, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, inciter vraiment les filles à participer à des ateliers animés par des femmes et des ateliers purement techniques. Parce qu'en fait, la problématique pour s'engager dans une orientation, que l'on soit fille ou garçon, qui va s'orienter soit pour un garçon dans un métier dit de fille ou une fille dans un métier dit de garçon, il faut qu'en fait, les jeunes puissent s'identifier et avoir des figures qui puissent les représenter. Et parmi celles qui sont déjà présentes dans vos formations, vous diriez que ça modifie en quoi le groupe ou peut-être pas du tout, hein, peut-être que ça ne modifie pas, qu'est-ce qu'elles apportent en clair? Alors au niveau de la formation, nous on s'est rendu compte quand même qu'au niveau de la pratique du développement, elles étaient très perfectionnistes. Vraiment le souci du détail et le souci de quelque chose de joli et de propre. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres formations, mais c'est vrai que chez nous, alors on n'a pas beaucoup de filles à 3 sur 6 promotions, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai que le peu qu'on a de filles qui sont chez nous ont ces qualités-là. Et puis, je dirais aussi, au niveau du côté humain, elles apportent, je trouve, de la médiation. C'est-à-dire que quand il y a des problématiques, parce que bon, nous, c'est des ados, donc avec les hormones, tout ça, un peu. et c'est vrai qu'elles apportent ce côté de médiation et pour apaiser un petit peu les tensions qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, Cédric Richard, dans les formations, puisque bien évidemment elles sont mixtes, est-ce que vous avez... Oui, absolument. Effectivement, nous, sur le public que nous accueillons notamment cette année, alors on est assez content puisqu'on a 33% de femmes, donc voilà, on s'auto-congratule, n'est-ce pas? Mais ouais, absolument, nous, après, au-delà de la question de la surdité, on va travailler justement sur la question des femmes, des personnes issues de quartiers prioritaires, etc. Donc essayer de répondre aux mêmes problématiques finalement que les autres écoles. Alors on va rester avec vous sur la question du handicap et comment rompre la barrière. Vous avez déclaré, c'était il y a assez peu de temps, à l'AFP, les sourds appréhendent le monde visuellement et grâce à la structure de la langue des signes, leur pensée, leur syntaxe est visuelle. En 3D, elle n'est pas linéaire comme celle des entendants. Alors, c'est-à-dire que les métiers du numérique sont particulièrement appropriés à ce public sourd et malentendant avec lequel vous travaillez? Oui, absolument. Donc, comme nous le disions, c'est sur la structure de la langue des signes, cette pensée visuelle fait qu'assez naturellement, les personnes sourdes sont douées pour les arts graphiques et la conceptualisation. Et ça, c'est quelque chose qui est à noter, parce qu'ils passent cette étape des entendants où nous, on va déconstruire une pensée pour la projeter en image. Les personnes sourdes, eux, ont l'image directement, donc ce qui est assez pratique dans ces métiers. Et du coup, comment ça se passe concrètement, les cours? Donc c'est bilingue, hein, français LSF. Comment ça se passe? Les cours sont mixtes, Alors, pour intégrer nos cours, il faut pratiquer la langue des signes, puisque nous, pour... parler de la question de la formation des personnes sourdes, on a passé l'étape du handicap et on a cette approche linguistique. C'est-à-dire que la formation, tous les contenus de formation sont pensés directement en langue des signes et sont dispensés directement aussi en langue des signes, ce qui permet justement aux élèves de plus se confronter aux barrières qu'ils peuvent rencontrer dans d'autres dispositifs et ça va les mettre dans le confort et leur permettre justement de travailler sur l'apprentissage du métier. Et puis également, le rapport au français, c'est lorsqu'on les accompagne de manière très opérationnelle dans l'entreprise, où effectivement, ils vont être confrontés au français, enfin, ils le sont de toute façon toute l'année, mais en ayant cette approche depuis leur langue, en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et les formations précises que vous proposez, donc il s'agit de web designers? Exactement, qui vont se spécialiser, ils peuvent se spécialiser soit sur la partie qu'on appelle UX, UI design, donc c'est plutôt la conception de sites web du côté visuel, charte graphique, etc. Et une deuxième option qui est de la pure programmation, développement web, et on va avoir des élèves qui font les deux, voilà, qui veulent être très très complets, donc on leur permet de pouvoir travailler sur les deux dimensions. Et vous parliez tout à l'heure de l'entrée en entreprise. Comment ça se passe, la transition entre votre école? Vous les accompagnez donc au début, vous les suivez
que j'imagine que c'est pas si simple de. Alors c'est pas simple pour les entreprises. Donc du coup, en fait, c'est surtout les entreprises qu'on va accompagner. Enfin, on dit de manière assez rigolote parce que souvent dans la rencontre, les personnes sourdes ont l'habitude de toute façon de rencontrer des gens qui ne parlent pas leur langue et qui ont des difficultés à communiquer avec elles. Donc les personnes sourdes, elles, assez naturellement, mettent en place des stratégies. Et dans les entreprises, souvent la première question, c'est les entreprises dans la grande majorité, enfin chez nous, jouent le jeu, sont très enthousiastes, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, c'est de dire bah voilà, comment on va communiquer avec le stagiaire. Et du coup, nous on propose l'accompagnement en s'appuyant notamment aussi sur les dispositifs de la GFIP notamment, et on va les accompagner en organisant des sensibilisations. Qu'est-ce qu'une personne sourde, comment elle communique, et puis aussi tout au long de la période en entreprise, c'est la mise à disposition d'interprètes ou alors préconiser des outils de communication. Et ça, c'est plutôt voilà la rencontre entre le stagiaire et son employeur, parce que la personne sourde, elle se connaît et elle peut avoir des modes de communication préférentiels. Et c'est elle qui va indiquer à l'entreprise voilà ce qu'elle préfère plutôt utiliser comme mode de communication. Et nous, on est toujours en appui derrière pour que tout se passe bien et qu'à la fin, on débouche sur une embauche. Et justement, on débouche facilement sur une embauche. Vos étudiants galèrent à trouver du travail ou ça se fait relativement facilement? Pas plus que les autres, hein, j'ai envie de dire. Je dirais que c'est décrocher le job, c'est toujours quand même... c'est pas si facile que ça. Donc, en tout cas, nous, on va les accompagner. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de sorties positives. Le point sur lequel on travaille, c'est la localisation de nos étudiants, puisqu'on est la seule école en France à le faire. Donc, du coup, on a des élèves qui viennent de toute la France et va se poser la question de la mobilité. Et du coup, nous, c'est comment on les accompagne aussi après à trouver un job dans leur région d'origine. D'accord. Mais de manière générale, les périodes dans... d'études chez nous se transforment plutôt pas mal en job. L'année dernière, on était à plus de 50% d'embauches. Et je reprends au début de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui postulent à votre formation, vous recevez beaucoup de demandes. Vous avez, en gros, la sélection est très sélective ou pas pour rentrer? Alors, oui et non. Nous, on travaille sur des petits groupes, hein, une quinzaine d'étudiants par promotion. Donc, sans condition de diplôme à l'entrée, parce que ça serait vraiment trop pénalisant. Et va se poser, justement, je reviens à la question de la mobilité. Donc, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Après, restent les questions pratiques de se déplacer d'un bout à l'autre de la France pendant un an. Et là, c'est là-dessus qu'on travaille, justement, sur la mobilité, comment les aider à trouver un appart, et puis aussi à vivre pendant un an. Et ça fait partie des projets que nous avons pour la suite, c'est comment on va pouvoir s'implanter au plus proche de notre public dans les mois à venir. Oui. D'accord, très bien. Vous parlez de formation sans diplôme. On va élargir encore ce sujet, continuer à en parler, puisqu'effectivement, pour travailler dans les métiers du numérique, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme, en tout cas pas pour rentrer dans les formations que vous proposez, notamment l'école 42 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, et je vous propose tout de suite de découvrir le parcours assez atypique et significatif des étudiants de l'école 42 de la région avec le portrait de Camille Coteau. Donc Camille, c'est vrai que ce qui m'intéresserait, c'est de connaître ton parcours avant que tu arrives à l'école 42, parce que tu n'étais pas destinée à travailler dans le numérique, et tu as un parcours assez atypique, donc comment ça s'est... Effectivement, je n'étais pas destinée au numérique, puisque j'ai commencé par une licence technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai été fait une licence donc orientée culture, plutôt. Donc rien à voir, c'est en partant à l'étranger un an que j'ai découvert en fait ce que c'était l'informatique, puisque j'ai rencontré beaucoup de développeurs qui m'ont poussé à découvrir ce que c'était, puisque je pensais que c'était vraiment plutôt scientifique, etc. Alors que moi, j'étais partie dans la culture et le commerce. D'accord. Donc, Camille, on continue pour savoir ce qui t'a... poussé à venir à Lyon, parce que tu n'étais pas à Lyon au départ. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'école 42? Alors, moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base et je suis venue à Lyon parce que déjà, c'était pas très loin. C'est une grande ville où il y a plein d'opportunités. Et donc voilà, je suis venue exprès pour passer les tests de la piscine en octobre. Et donc là, j'ai commencé il y a un mois. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'école 42? Parce que c'est assez spécifique quand même. J'aime pas forcément l'école traditionnelle, le modèle... qu'on connaît tous, et effectivement, quand je me suis renseignée, c'est vraiment une école qui me correspond totalement. L'apprentissage, l'échange de connaissances, c'est vraiment ce que je recherchais, en fait. D'être libre. Et du coup, comment ça se passe, une journée typique ici à l'école? On arrive, on discute, on dit bonjour, on se met à son poste de travail, on commence à travailler. Si on a un problème, on vient demander...
aux personnes qui sont autour de nous, on va manger tous ensemble, on fait nos petits projets, ensuite on se fait corriger, donc il y a encore un échange de connaissances, parce qu'en plus on a tous des niveaux différents, donc il y a des personnes qui avancent plus vite, on corrige aussi des années précédentes, donc en fait voilà, on a plein de choses à apprendre, c'est top. Et t'es déjà, finalement t'es encore à l'école, mais est-ce que c'est déjà une façon d'être au travail, comme tu as l'air de dire que c'est un peu une transition pour accéder assez vite au marché du travail, que c'est déjà plus vraiment l'école, comment tu vois ça? Oui, un petit peu, parce que c'est nous qui allons chercher l'information, on ne nous donne pas l'information, et on fait des projets plus concrets qui pourront nous servir dans la vie active. Ça pourrait être des projets qu'une entreprise pourrait nous donner à faire, donc c'est vrai que c'est quand même mieux. Sur le fait qu'il y a pour l'instant peu de filles, comment est-ce que tu te sens dans le groupe? Parce qu'effectivement, les filles sont minoritaires pour l'instant. Moi, je me sens bien. Tout le monde s'entraide, que ce soit une fille, un garçon. Mais je trouve que c'est important de pousser les filles justement à venir dans ce genre de formation, puisque c'est vrai que moi aussi, à la base, j'assimilais l'homme à l'informatique, ou plutôt l'informatique à l'homme. Et en fait, pas du tout, c'est donné à tout le monde. Il suffit juste d'être intéressé. C'est un monde passionnant, que ce soit pour les filles ou les garçons. Alors voilà, donc on a pu rencontrer Camille Coteau, c'était tout à l'heure sur ce campus. Justement, avec vous, Monsieur Bollage, Quentin Bollage, quels autres types d'étudiants sont présents dans votre école 42? Est-ce que Camille est vraiment représentative de tout le monde, ou est-ce que chaque profil est très atypique, justement? Alors, le principe de 42, principalement, c'est d'être ouvert à toutes et tous, sans condition d'âge, sans condition de diplôme, si ce n'est, si vous êtes mineur, d'avoir le bac, pour ne pas qu'on vous retire du lycée ou du collège un peu trop tôt, si vous le souhaitez. Donc, ça nous amène à beaucoup de gens qui arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas forcément ou qu'ils souhaitent découvrir. Et on a énormément de reconversions là-dedans. Donc, par exemple, moi-même, avant, je travaillais plutôt dans le cinéma. Je connais des étudiants qui travaillaient dans le droit, qui travaillaient dans la musique, donc des domaines artistiques, par exemple, mais aussi le droit qui est à l'opposé total. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, on a une hétérogénéité énorme des profils qui s'intéressent au numérique. Je crois que ça tient à plusieurs raisons. Et l'une des principales étant qu'en fait, le numérique est partout. Donc le numérique, on le retrouve par exemple dans l'art, on le retrouve par exemple dans le droit, on va le retrouver dans énormément de secteurs, de métiers. Et donc on peut lier le numérique à beaucoup de choses qui sont une autre vocation à la base. Du coup, les profils sont forcément très variés, très différents, viennent de tas d'endroits différents. On n'a pas que des gens qui viennent que de la région, d'ailleurs. On a des gens qui viennent de la France entière, on a des internationaux, on a quelques filles, encore ce problème. Beaucoup de garçons, mais on a des personnes de tout âge. On a une formation spéciale sur ce qu'on appelle les seniors, donc qui sont des quinquagénaires qui étaient à Pôle emploi, qui souhaitent aussi retourner au travail, qui fonctionnent très bien. Et on arrive à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble avec des gens qui sont plus âgés, moins âgés, etc., qui se découvrent, qui se rencontrent. Et sur quels critères, finalement, ils rentrent dans l'école, puisqu'il n'y en a pas? Il y a un moment où ils se retrouvent tous, qui s'appelle la piscine. Comment ça se passe, ce moment-là? Puisque c'est ouvert à tous, mais tout le monde n'y est pas. Donc... Alors, très brièvement, parce que je pourrais en parler des heures, on a un processus de candidature qui est assez précis. Donc, tout se passe sur un site web à la base. Vous inscrivez dessus, vous faites des jeux qui sont des petits jeux de logique, etc. Enfin, c'est plus amusant que difficile. Une fois que vous passez ces jeux, vous avez une réunion d'information à laquelle il faut participer. Alors, cette année en ligne, étant donné le contexte. Et cette réunion d'information est suivie, donc, si vous le souhaitez, si la réunion vous a accroché, d'une piscine. Une piscine, c'est quoi? C'est 28 jours non-stop d'immersion totale, d'où le nom, piscine, dans l'univers du code. C'est accessible à tous, hein, c'est pas quelque chose qui est fait spécialement pour les personnes qui ont déjà codé. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que nous, on essaie d'apprendre aux gens d'une autre manière que celle qui a déjà été faite plus traditionnellement parfois. Donc, il y a même de temps en temps, ne pas avoir de base en code est un plus pour certaines personnes. Ça existe. Il y a des personnes qui n'ont pas de base en code qui intègrent votre... J'en suis le premier exemple. j'ai intégré l'école 42 en 2013 et je n'avais aucune base en code, quelle qu'elle soit. J'ai fait partie de la première promotion et des profils comme le mien, on en rencontre beaucoup dans l'hétérogénéité que je décrivais tout à l'heure, bien sûr. Cette piscine, donc, c'est 28 jours de test. Et alors, je ne peux pas vous dévoiler les critères exacts puisqu'on en fait un grand mystère. Ça fait partie du jeu pour nous quand on accueille nos candidats. Mais je peux vous dire qu'on va juger des choses aussi différentes que le niveau technique, bien entendu. L'assiduité, pas forcément l'assiduité elle-même, mais le fait d'aller jusqu'au bout, en tout cas, on va dire la ténacité, la sociabilité avec les autres, puisque comme on est dans un système très communautaire, on a besoin que les gens puissent communiquer. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres.
parce que c'est une école sans professeur. Donc effectivement, le fait de travailler ensemble est fondamental. Primordial, exactement. Donc oui, nous n'avons pas de professeur. Le principe est que les étudiants travaillent avec un outil qui se nomme l'intranet, sur lequel ils ont des projets. Ils ont une espèce d'arbre, tout est gamifié, donc c'est un espèce d'arbre comme dans un jeu vidéo. Ils doivent gagner des niveaux avec des points d'expérience. Le principe est donc de dire qu'à travers cet intranet, ils ont des sujets, des projets à réaliser qui leur débloquent les niveaux suivants. Et lorsqu'ils choisissent certains projets, ça leur ouvre, comme dans un arbre, donc de nouvelles branches pour choisir des spécialisations, par exemple, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de professeur, du coup, fait qu'il n'y a pas de référentiel sachant. Et ce qui est très intéressant dans le travail qu'on fait, c'est de dire qu'en fait, notamment dans ce métier-là du numérique particulier qu'est le développement informatique, toutes les réponses sont sur Internet, toutes les réponses sont dans la communauté, le voisin de droite, le voisin de gauche. Donc en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils arrivent chez nous en parfaite autonomie, il n'y a pas d'obligation d'horaire, de cours, etc. Hein, bien sûr, ils viennent lorsqu'ils le souhaitent, l'école est ouverte 24 sur 24, et puis ils travaillent avec leurs collègues. Et quand ils ont un problème, ils vont voir un collègue, ils vont échanger, ils vont aussi donc apprendre à discuter, à se confronter, puisqu'ils doivent se corriger entre eux, ils doivent s'évaluer sur leur projet entre eux. Il n'y a pas un professeur, à un moment donné, qui dira que cela est bien ou mauvais, il n'y aura que du débat entre les étudiants pour pouvoir avoir une note finale, on va dire, à leur projet. Cette forme de savoir-être qui aussi s'apprend du coup à l'école 42, est-ce qu'elle est aussi très valorisée par les entreprises ensuite? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils recherchent? Parce que... Alors, bien entendu, le travail qu'on fait là-dessus est notamment pour valoriser nos étudiants pré-entreprises. Alors, le but ultime étant que les étudiants aient travaillé en équipe et aient acquérir des compétences, on va dire des soft skills, qui leur permettent d'évoluer correctement l'entreprise par la suite. Vous hochiez la tête, oui. Hélène Ribeau, ça a l'air de vous parler. Ce qu'il oui, oui, parce que les entreprises, en fait, recherchent des savoir-être, et en particulier les 4 C, dont la communication, le travail en collaboration, en équipe, l'esprit critique, et j'oublie toujours le dernier, qui est... créativité, voilà. Donc, les entreprises recherchent effectivement ces compétences-là, ces compétences transversales, dont la collaboration et le travail en équipe. Et vous aussi, Cédric Richard, vous avez l'air de... Absolument, oui. Je suis entièrement d'accord avec ces propos, oui. Absolument. On va en venir à l'Eden School, puisque vous faites donc place aux jeunes avec cette école qui accueille des moins de 18 ans, qui sont là après la troisième. Je ne sais pas s'il faut ou non qu'ils aient validé un brevet, vous nous le direz. Mais du coup, qui accueillez-vous finalement dans cette école? J'imagine aussi qu'il y a une grande hétérogénéité des étudiants. Des parcours, effectivement. En fait, les élèves n'ont qu'un seul point commun, c'est la motivation pour le code. Voilà, c'est tout. On regarde uniquement ça, on ne regarde pas les notes, on ne regarde pas du tout. Alors, effectivement, le brevet, c'est pour les élèves qui viennent du hors contrat, pour valider, voilà. Mais ensuite, qu'ils aient validé ou pas le brevet, c'est pas un problème. On ne regarde pas du tout les notes, on regarde le parcours pour pouvoir après mieux accompagner les élèves. Et ils sont donc nombreux à venir toquer à votre porte pour pouvoir... Alors, c'est une école qui n'est pas encore très connue, ouais. Mais on a quand même... en gros, on arrive sur une quarantaine de jeunes qui postulent chez nous. Le maximum, c'est 20, mais on n'a jamais atteint les 20 parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans un modèle de sélection, mais un modèle de recrutement. C'est-à-dire que la sélection se passe en gros sur 3 semaines, 1 mois. Comme 42, il y a d'abord une première phase de test en ligne avec des jeux de logique et une première découverte du code. Et puis ensuite, les élèves sont invités à passer une journée de pré-recrutement. Donc là, on refait passer des petits tests de logique, mais il ne faut pas nécessairement être fort en maths. Hein, on regarde pas du tout le côté maths, mais c'est vraiment la logique. On peut être littéraire et avoir une très bonne logique. Ensuite, il y a un test de motivation à suivre une formation scolaire. Et puis, les élèves démarrent un projet qu'ils vont devoir faire pendant 15 jours à la maison. Donc, on leur donne tous les tutos. Donc, les futurs élèves, les postulants et postulantes peuvent très bien ne pas du tout connaître le code. Mais finalement, à travers ce processus-là, arriver à créer une page. On leur donne une maquette avec tous les tutos. Et donc, ils ont 15 jours pour le faire à la maison. Et ils reviennent nous le présenter au bout des 15 jours. Et là, ce qu'on regarde surtout, c'est pas nécessairement le rendu, mais ce qu'on va regarder, c'est combien de temps le jeune a passé ou la jeune a passé à faire le projet. Parce que chez nous, c'est 22 heures de code par semaine. Donc, si le jeune ou la jeune a passé 5 heures
cœur dessus et dit bon voilà ça m'a plus moyen, c'est sûr que voilà de lui-même ou d'elle-même il ou elle va se rendre compte que finalement le code c'est pas fait pour lui. Donc petit à petit au fil du recrutement les jeunes découvrent les tâches à effectuer et d'eux-mêmes savent si oui ou non ils veulent continuer ou pas. Et la dernière partie du recrutement, c'est un entretien avec les familles ou les responsables des jeunes, puisque c'est des mineurs. Et là, on refait tout le parcours scolaire, sans regarder toujours pareil les notes, mais ce qu'on regarde, c'est surtout comment la scolarité a été vécue pour pouvoir au mieux accompagner les élèves dès la rentrée, pour que les professeurs, par exemple, puissent mettre en place une pédagogie différenciée en fonction, par exemple, si on a un élève avec un trouble des apprentissages, un autre qui n'a aucune difficulté, un autre qui va s'ennuyer. Enfin, ça permet déjà, dès la rentrée, de pouvoir mettre en place des choses qui correspondent à chaque élève. Et ensuite, la durée des parcours que vous proposez, alors j'ai compris qu'à l'école 42, c'est, on prend le temps qu'on veut, qu'on peut, pour arriver à passer toutes les étapes dont vous parliez. Comment ça se passe de votre côté à l'Eden School et puis vous ensuite, Cédric Richard? Alors, chez Eden School, la formation se fait en 2 ans. Et il y a possibilité de faire une 3e année malgré l'implication, le ou la jeune n'est pas arrivé à valider toutes les compétences de première année. Il y a un petit examen en fin de première année pour justement valider ou pas ce premier niveau. Mais voilà, globalement, la majorité des élèves font la formation en 2 ans. Très bien. De votre côté, Cédric Richard, c'est et plus court. Et chez Signé Formation, de 10 à 20 mois, selon que l'élève choisisse le parcours complet ou pas. Ça veut dire aussi que ce sont des parcours un peu comme justement l'école 42, modulables dans le temps, où il faut tant de temps pour réaliser telle chose, ou acquérir telle compétence ou En fait, chaque apprenant a un rythme d'apprentissage différent. Donc après, c'est sûr qu'on va pas garder un élève pendant 4 ans. Mais globalement, on laisse le temps aux jeunes de pouvoir prendre le temps d'acquérir. Et il y en a d'autres qui acquièrent les compétences assez rapidement. Et donc, on va leur faire faire, par exemple, des projets personnels ou des projets travaillés sur des projets clients davantage par rapport à d'autres jeunes, puisque nos élèves travaillent sur des projets clients. Donc, on s'adapte, en fait, au rythme d'apprentissage des élèves. D'accord. Et pour quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, donc pareil, je vais poser la question aux autres, mais est-ce qu'ils trouvent assez facilement de l'emploi ou est-ce, parce que c'est des profils peu atypiques, donc peut-être qu'ils sont aussi très recherchés ou au contraire pas encore assez connus, comme vous disiez tout Alors, à l'heure. Alors pour l'instant, c'est vrai que notre formation n'est pas encore reconnue et validée. On est en train de déposer le titre pro. C'est vrai que quand on a ouvert Eden School, la majorité des élèves se voyaient bien dans le monde du travail. Et en fait, au fil des 2 années, ils ont repris goût aux études. Donc, ils ont tous continué dans les études, sauf des élèves qui ont fait de l'alternance. Donc, s'ils sont sur le marché de l'emploi, c'est via l'alternance. Et donc là, c'est vrai que c'est des profils qui sont assez intéressants puisqu'ils ont déjà 2 ans de code derrière eux. Donc, ils s'inscrivent sur des formations de niveau 5, donc c'est un niveau Bac plus 2, des titres pro toujours en développement, ou ils peuvent se réorienter aussi sur du design, ou il y en a qui sont partis sur des formations tout autre, du cinéma, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est des profils qui seront recherchés parce que, justement, ils ont déjà ces 2 ans de travail. Et comme on travaille un petit peu comme dans une entreprise, c'est une école-entreprise, Eden School, donc c'est des profils qui sont intéressants parce qu'il y a à la fois les savoir-faire et les savoirs académiques, puisqu'on continue chez nous le français, le maths, histoire, géo, et aussi l'enseignement humain qui est une part à part de... qui est une part à part de des apprentissages. Et puis, il y a aussi tout le côté technique qui est intéressant. Très bien. Et vous diriez chacun que ce sont des métiers qui sont valorisés. Alors, cette fois, on va parler du salaire, mais je ne sais pas si c'est facile à regarder, à observer. Parce que souvent, voilà, dans ces métiers-là, on est bardé de diplômes. Vous démontrez que ce n'est pas nécessaire, même s'il y a des gens déjà très diplômés qui intègrent notamment l'école 42. Comment ça se passe de ce point de vue-là, financier? Est-ce qu'on commence petit ou est-ce que déjà, dans ces métiers-là du numérique, finalement, on s'en sort bien dès le départ, dès la sortie de la formation? Plutôt 42, parce que nous, c'est vrai, ils ne vont pas trop sur le marché du travail. Oui, donc, c'est des salaires d'alternants. Hein. S'ils ont des salaires, c'est des salaires d'alternants. Et puis après, ils continuent finalement. Et ils continuent, certains chez 42 d'ailleurs. Ah, ça, c'est super. Ouais. Alors, rapidement, sur l'employabilité dont vous parliez, on a des excellents taux d'employabilité. On sait que... Je vais revenir sur ce que vous disiez avant sur la durée. En effet, chacun va à son rythme. On a quand même calibré le cursus pour qu'il dure en moyenne 3 ans. Voilà.
Donc ça, c'est un objectif à se donner. Pourquoi je donne cette information? Parce que très peu de nos étudiants, finalement, font les 3 ans. Pour la simple raison que la façon dont on a structuré notre parcours pédagogique, c'est qu'au bout d'un an à peu près, nos étudiants ont terminé ce qui s'appelle le tronc commun. Donc c'est une base, un socle, on va dire, solide en programmation. Et ils doivent faire un stage dans une entreprise. À la suite de ce stage, on a 75 à 80% des entreprises qui proposent un contrat, CDI ou non, à nos étudiants pour continuer de travailler dans l'entreprise. Sur ces 80% d'étudiants à qui c'est proposé, la moitié d'entre eux refusent pour continuer. C'est là où je rejoins ma collègue sur le fait que nos étudiants reprennent goût aussi aux études, parfois, et aiment continuer et rester à l'école, dans aussi le cocon qu'on a créé pour eux. Je ne suis pas sûr de répondre à votre question exactement. Non, c'était sur les salaires à la sortie, mais c'est une amorce de... Alors, je vais vous dire, pour nous, notre avis, c'est chacun. Ça dépend vraiment de chacun, de ce qui est recherché, de la spécialité qui est recherchée aussi. On fait quand même une formation assez généraliste. Les gens peuvent se spécialiser dans ce qu'ils souhaitent. On ne peut pas vous donner un taux moyen de ce qui se fait dans le numérique. Les métiers du développement sont quand même relativement bien rémunérés. Ça on le sait, simplement voilà, qu'un développeur web ne sera pas aussi bien rémunéré qu'un développeur embarqué ou software ou etc. etc. Très bien, je ne sais pas si vous voulez y rajouter quelque chose, Cédric Richard, on arrive. Absolument, c'est vrai que sur la question de la rémunération, on est sur un secteur qui est très large en fonction déjà de la taille de l'entreprise, du parcours, du postulant à l'embauche. Et c'est vrai qu'on a une fourchette de rémunération qui est très très large et qui comprend un tas de points d'appréciation qui serait quasiment individualisé. Et après, comme le disait Quentin, c'est aussi le candidat et sa force de persuasion, ou comment il va arriver à se vendre. Donc c'est vrai que la question de la rémunération, elle est pas si simple à traiter. Très bien. En tout cas, merci à vous trois d'avoir démontré qu'il n'était pas nécessairement besoin d'être ingénieur ou d'être diplômé d'une grande école et bardée de diplômes pour travailler dans les métiers du numérique. Il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre du coup à vous qui nous écoutez. Je rappelle que l'école 42 Auvergne-Rhône-Alpes Signes et Formations sont présents sur le campus de la région numérique qui vient d'ouvrir ses portes en ce début d'année 2021, ici à Charbonnières-les-Bains, que par ailleurs ce campus labellise de très nombreuses autres formations sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet dédié à la rubrique formation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci à vous. À vous. Merci. Merci. Merci à vous.